On commence très fort. Marion Barbotelli. Salut Julia. Faites comme chez vous. Hein. C'est vous le patron, c'est vous le taulier. Ouais, t'en as un beau mec de droite décomplexé, toi, t'es pas mal. Hein. Donc, enchanté, donc, Manu, hein, donc, international béninois. Hein, vous êtes du Bénin, vous êtes de quelle ville déjà? Bourges, c'est ça? Bourges. C'est une région du Bénin où on n'a pas trop l'accent, finalement, j'ai l'impression. Ouais, non, ça va. Hein, c'est vrai, ouais, c'est centre-Val de Loire, comme on dit là-bas en Afrique. Très sympa. Et alors, international béninois, bon, voilà, c'est pas dingue, mais c'est déjà pas mal. Alors, Bourges, vous êtes un gosse de Bourges, un peu comme Adrien Rabiot, finalement. Pas vraiment. Au moins dans la coiffure. En tout cas, tout à l'heure, vous avez parlé de votre style, un peu, bon, vous ne marquez pas souvent des buts, hein, alors qu'Andy Delors, votre ancien coéquipier, lui, il marquait, il avait ce style, vraiment, c'était le vrai buteur à la JPP, c'est-à-dire contrôle orienté, frappe, lucarne, but, praline, c'était magnifique. Tout à fait. Mais en même temps, vous savez le faire aussi, et vous êtes assez modeste, et c'est dommage, parce que j'ai retrouvé ce petit style à la Andy Delors que vous aviez fait pendant un match l'an dernier, regardez, attention, la balle arrive, contrôle orienté, et magnifique dans la lucarne. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, regardez, la pudeur. La pudeur, après, vous célébrez pas le but, alors que c'était même pas une ancienne équipe à vous, mais vraiment, la classe, quoi, l'élégance. Quand comme on a l'habitude de marquer, on célèbre pas. Ouais, c'est un ancien coach, Jardim, Braga, vous êtes dit, je vais pas célébrer. C'est la classe. Vraiment, bravo. Andy Delors, il vous manque un peu quand même, c'était quand même un joueur important, Andy Delors. Ouais, c'est vrai, hein, c'est un beau joueur. Ben, après, il est parti dans des conditions un peu difficiles, on se rappelle, hein, le président voulait pas qu'il parte, lui, il voulait partir, il y avait une histoire de parole et tout. Et alors, on s'est dit, comment ça se fait qu'il est parti? Pourquoi il est parti? Pourquoi le président a accepté? Parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, c'est sa famille qui a mis la pression. La famille d'Andy Delors qui a mis la pression sur le président, parce qu'une parole, ça se respecte. On a retrouvé la vidéo de la famille qui parle au président. La famille d'Andy. Bon, maintenant, il y a des hommes qui sont pas les hommes du tout. Ils sont pas capables de mettre la tête à tête comme ça, en coup de poing à Manu, et puis ils disent des paroles comme ça. Bon, pour moi, c'est pas les hommes, moi. Moi, c'est les pédés pour moi. Téléphonez-vous et donnez-vous rendez-vous. Pas fait de chanter sur les toits comme ça. Moi, je vous le dis, vous êtes pas les hommes. Parce qu'il y a trop de paroles qui se mettent comme ça dans les paroles qui vont pas là. Vous dites toujours les paroles qui vont pas. Merci. Tu vas avoir des problèmes. La famille d'Andy, moi j'accepte. Le mec, tu pars au Tigre, je lui paye le billet d'avion, première classe, tout ce qu'il veut. En tout cas, Canal+, hein, qui montre pas mal de matchs. Vous regardez beaucoup Canal+, évidemment, vous aimez le foot, ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. Mais il y a de plus en plus de beaux matchs sur Canal+, de plus en plus de Ligue 1, de plus en plus de Classico, de plus en plus de matchs incroyables. Et il y a eu déjà le premier gros choc de cette saison, cette année. Le premier Classico, il est tombé. Allez, regarde, allez, c'était magnifique, on s'est régalé. C'était sur Canal, regardez. Ce pur moment que vous attendez tous. PSGOM en direct seulement sur Canal+. Ça y est. C'est parti pour ce classiquito entre le Paris Football Club et Marseille Consola. Et la première de l'histoire sur les antennes du groupe Canal. Oui, donc c'est la première de... Voilà, alors il y avait du monde, il y avait du niveau. Il y a eu des buts. Ah, c'était magnifique, regardez, on se régale, ça c'est Canal. Hein, ça c'est... voilà, ça c'est... Alors aussi le numéro des joueurs, le flocage, c'est magnifique. Il y a de la thune, hein. Ça sent la thune. Et le mec derrière, il me met pas aux toilettes. Il pisse directement derrière le panneau. Tranquille, hein, mais il s'en fout, de toute façon, il n'y a pas de spectateurs dans ce match. Vas-y, hein, fais-toi plaisir, bonhomme. Fais comme chez toi, voilà, une belle petite flaque, tranquillou. Merci d'être venu, c'est ça. C'est aussi ça, Canal+. Qu'on l'a vraiment diffusé, ce truc. Hein. Avec les moyens, il y avait des commentaires. Attendez, bougez pas. De ouf. Pas, non, non, mais vas-y. J'arrive. Vas-y, fais-toi plaisir. On se fout pas de votre gueule, quand même. Bon. Et puis, il y en aura plein d'autres comme ça pendant l'année. Hein. On a acheté les droits. Donc, il y a quand même des choses qui sont plus graves. Ce sont tous ces joueurs qui faisaient partie de la galaxie J+1 et qui sont malheureusement partis. Qui nous ont quittés et à qui j'aimerais, depuis le mercato évidemment, hein, à qui j'aimerais rendre hommage avec toute l'équipe. Hommage. Yes.
Il y en avait d'autres, il y avait Vanderbilt, enfin tous ces joueurs magnifiques qui nous ont quittés, malheureusement. Les, je te parle pas de ceux qui sont à Kayserispor, les Ali Ahmada et compagnie. C'est il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué cette semaine. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'émotions, mais il y a quand même l'essentiel de la Ligue 1 qui est revenu et je préfère qu'on le regarde pêle-mêle comme ça. Bon, alors écoute, tu m'écoutes bien. Ils vont nous mettre la pression, mais il faut surtout qu'on reste droit dans nos bottes, ok? Droit dans nos bottes, même si les Parisiens nous mettent la pression. Mais pourquoi ils disent ça? J'ai pas de bottes, j'ai des chaussures normales. J'espère que tu pensais pas que je parlais vraiment de tes bottes, là, hein? Vas-y. Allez, mec, joga bonito. Un, deux. Ah, merde. Allez, ça va, les mecs, c'est notre record, deux, putain. Et on est en Ligue 1, et c'est déjà pas mal. Ça va, gueulez pas. Oh, les mecs, je te jure, c'est bon. Tu vois, le problème avec Ménès, c'est qu'il est comme les clébards. Il se gratte de l'oreille avec la papade, comme ça. Et j'ai peur qu'un jour, il s'infecte. Que ça lui fasse mal. Vas-y, souffle-moi, là, j'ai chaud dans le boule. Feu. 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 Mais non, mais feu. Mais j'ai pas dit crache-moi dans le boule, j'ai dit souffle. Il est pas bien, ce mec. Alors tu vois, toi t'as de la chance, t'as Ophélie Meunier sur M6, hein. Parce que moi sur OLTV, je peux te dire que j'ai que des boulins. Hein. Ah ben non, j'ai pas les moyens, tu rigoles. Au mieux, je peux avoir Boccolini, mais pas mieux. Hein. Oh, yeah. Et alors, je vais rentrer, par contre, fais attention, je fais le parquet, donc tu mets les parterres, parce qu'après tu peux glisser. Attends, attends. Ah là, ah là. Tiens, c'est en rancune, copain. Ouais, t'as raison, c'est en rancune, on verra tout à l'heure, t'inquiète pas. Ouais. Attends, attends, attends. Voilà. Voilà. Sans rancune, hein? On avait dit sans rancune, hein? Tu m'en veux pas, bonhomme? C'est bien, ça passera, va, t'inquiète pas. Ça coupe. Alors écoute, l'important, c'est ce que tu fais à l'instinct. N'écoute pas les mecs qui disent qu'il faut t'occuper de ton cerveau. Le cerveau, ça sert à rien. Les mecs qui ont des trucs de cerveau, ça leur sert à rien. Toi, t'es un gardien, t'es à l'instinct, t'es un bourrin, tu réfléchis pas. Et c'est là que t'es le meilleur, ok? Tu m'as compris? Ouais, t'as rien compris, bon, c'est pas grave. Ouais, j'arrête, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Manu fait... Oh, les mecs, il y a Manu qui veut arrêter le foot, il se trouve trop nul. Oh, mais... Non, les mecs, j'en ai plein le cul, j'en ai marre. Ah bah, attends, bouge pas. Bonjour, mademoiselle, ça va, hein? Petite interview, ça vous dit? Ah oui, mais c'est où, l'interview? On l'a fait où? Ah ben, on l'a fait dans ma loge, là. Ouais, c'est dans ma loge, ouais. Petite interview, comme ça, il y a les canapés. On est pas mal, vous verrez. Ouais, on est pas mal, ouais, t'as raison. Ah, voici un son du Brésil, vous êtes au talonnel. Et voici un son du Brésil, voici que ça va passer. Et voici un son du Brésil. Et toi, tu le cuisto, surtout tu mets pas les pattes avec la viande, hein, surtout tu fais... Ah, mais... Et non, mais je suis pas cuisto, moi je suis gardien de but. Quoi, t'es sérieux? Ouais, ouais. Non, mais attention, moi j'aime bien manger, hein, c'est pas la question, hein. Mais je suis pas cuisto, moi je suis gardien. Ah, t'es sérieux? Ouais, ouais. Putain. Allez, mec, c'est quoi ce truc rond, là? Je sais pas ce que c'est. C'est un ballon, tape dedans. Voilà, c'est bien. Les mecs, je viens de mettre un triplé, donc je l'ai une goal d'enfer, je vais me soulager, hein, j'en peux plus là. Vas-y, contrôle, contrôle. Ah, il pourrait avec la tête. Oh là là, le boulet, putain. Voilà. Oui, Girard, il en pense quoi, lui? Hein? Il est content, mais tu m'étonnes, lui. Il est content, lui. Vas-y, vas-y, dans les boules. Voilà. Ah, voilà, ça c'est un strike, attention. On va revoir ça. Voilà, ça c'est la Ligue 1, voilà, merci. Il y a quand même des beaux gestes techniques, hein, c'est ça qui fait plaisir dans cette Ligue 1. Alors, je vous ai entendu parler du Barça tout à l'heure, hein, c'était un peu votre club. Alors, je remarque un truc, c'est que vous jouez à Caen, qui joue en rayé rouge et bleu, comme le Barça. Vous avez joué à Châteauroux, qui joue en rayé rouge et bleu, comme le Barça. Est-ce que vous vous dites pas qu'en rêvant un peu, vous pourriez peut-être, je sais pas, jouer à Crystal Palace, qui joue en rayé rouge et bleu? Julien, Julien, Julien! Julien, rappelons Julien! Parce que l'abonné, il va pas s'en tirer comme ça. Alors, Julien, revenez, revenez. Il a déjà quitté le plateau. L'abonné, il va pas s'en tirer comme ça parce que... Et vous, Manu, il est pas venu les mains vides. Il a voulu amener quelque chose. Le soir, on aime bien regarder la télé tous les deux avant de se coucher. Exactement. Exactement. Après les matchs, qu'on n'arrive pas à dormir, on zappe un peu. Et moi, je regarde comédie, non? Tu regardes pas, toi? Ouais, si. On ouais, moi, je suis tombé sur un truc. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, là. Ah, merde. Malfaisant du soleil de la boule. Envie de rigoler. Disque d'or. Alors, ça passe la nuit, hein. J'ai voulu faire chanteur, t'as remarqué que j'ai pas fait chanteur. Hein, heureusement. Moi au moins, tu vois, j'ai eu la décence. Toi, alors que toi, t'as fait footballeur. Non, bonne chance quand même. L'abonné.
Julien Cazard.